Et salut à toutes et à tous, ici Petit Seb, j'espère que vous allez bien. On est de retour sur Monster Boy en compagnie de Jean avec notre fusion. Donc si je tue tous les mobs, ça me donne l'accès à la zone d'en face. Cool. C'est très cool. La fontaine qui te met bien en plein milieu. Là on peut pas y aller, il y a des crânes qui flottent pour dire si tu y vas t'es mort.
D'accord. Alors, non seulement ça fait apparaître des pièces, mais ça fait apparaître des trucs qu'on doit, dans lesquels on doit passer au fur et à mesure pour avoir un truc, je suppose. Ah ouais, je suis passé de ce côté-ci jusqu'à de l'autre côté. Ça va être intéressant. Ça bloque les dégâts explosifs. Ça c'est pas la lumière. Ça je l'avais enlevé parce que je ne pouvais pas.
Attends, si je fais. Non, ça c'est les bottes de plomb. Je me demande si ça pourrait m'aider en fait pour le. Pour l'énigme précédente. J'en sais rien. Un sous, c'est bien. C'est mal à chute. Ouais, il faut que j'utilise mon double saut en fait pour atteindre la notion. Thank you.
faut tous les enchaîner en fait. Et je suppose que dans le coffre il y a ce qu'il faut. Pour résoudre mon problème. On va pas s'embêter à utiliser les... Dès que je m'approche du canon, ça tire. Ok.
j'ai récupéré le navet. Voici la recette du cochon. Donc c'est là où il faut que j'aille voilà, exploser le rocher. Pour dessous. Bref, on verra ça la prochaine fois. J'espère que ce nouvel épisode de Monster Boy vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager comme d'habitude. Et on se retrouve dans une semaine pour la suite des aventures de Jim. Salut tout le monde!